Coucou tout le monde, on se retrouve pour le cinquième épisode de notre séjour en Sicile. Donc cet épisode va être assez chargé parce que nous allons tout d'abord visiter l'Etna. Voilà, vous allez voir un peu les paysages de ce volcan et aussi les conditions dans lesquelles on a visité le volcan. Et on va finir la journée par la visite de Taormine. Donc un petit village typique de Sicile aussi. Ah, et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Ça me fait plaisir, ça me fait progresser. Voilà, et ça m'encourage. Voilà, je vous fais des gros bisous. Ciao! T'en as pensé quoi de la pause pipi? Bah pas de pipi. Et pas la pause café? Pas de café, juste une clope. Ouais. Ça te donne bien envie de faire caca mais tu peux pas. Non mais c'est cool. La prochaine station est dans 65 km, il a dit. On est dans le caca. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Bernard? Allez, range ton cou ça. Allez, petit débrief. Alors là, on est à 2000 mètres d'altitude sur l'Etna. On s'élève à quelle heure? 5h45? Ouais. Ouais, 5h45. Là, on est à 2000 mètres. On est monté en bus. Si on veut, on peut monter à 2500 mètres avec le téléphérique. C'est 30 euros, c'est ça. Et si on veut monter à 3000 mètres, il faut prendre le téléphérique. Et le 4x4. Et le 4x4. Et c'est 65 euros. Et après, on peut faire la promenade. Mais par contre, il faut des guides spécialisés, c'est ça? Ouais. Voilà, parce qu'on peut pas y aller tout seul. C'est interdit pour des raisons. C'est dangereux. Si tu veux pas tomber. Et voilà. Et là, on a vu qu'il y avait un cratère là-bas. Donc, on va aller voir le petit cratère. Mais on dirait plus une station de ski que je sais pas. Ouais, qu'un volcan. Un truc naturel. Ouais. C'est pas du tout comme Lanzarote, les choses comme ça. Hein. C'est une station de ski. Tu vas, ouais, c'est ça, hein, tu vas à l'Alpe d'Huez, ça ressemble. À tout à l'heure!
grotte de lave et ils ont fait un petit totem. Ouais. De toute façon, ils font tout ça. Oui, ils ont mis l'électricité, donc ça doit être... Ouais. C'est récent, regarde. 2001. Ah ouais. Grotta Natura. C'est quoi de la journée? Des briefs. Ah, trop bien. On a fait quoi aujourd'hui? J'ai une maladie qui s'appelle la troupe de mémoire immédiate. Oui. On a fait l'Etna. L'Etna. Ouais, l'Etna, non, l'Etna, il faisait trop froid. Soliente, c'est ça. Bon, c'est moi qui me parle des briefs parce ouais. que. Non, mais je réponds en même temps sur Messenger. Audrey, elle a du trop de mon Caliente. L'Etna, c'était pas caliente. Hein. Non, l'Etna, c'était frio. L'Etna. J'ai trop froid, l'Etna. Par contre, après, t'as Ormina caliente quand même. Hein. Ouais, il faisait chaud. Mais le meilleur de ce soir, c'était quoi? Après, on a fait l'élection Miss Hôtel. Miss Hôtel. Moi, j'ai été éliminée d'office hein, parce que t'as rien à voir avec une miss. N'importe quoi. Par contre, j'ai pu aller au bar tout de suite. Donc, du coup, je suis... T'as beaucoup dansé. Peu... Non, j'ai beaucoup bu. Ouais, t'as beaucoup dansé après. Et après, on a dansé.
Et on était les seuls sur la piste, sauf Myriam, hein, parce que Myriam... Cheval diva. Ouais. Mais on a bien fini la soirée en chanson. Et attends, on a pu demander des infos à l'animateur pour demain. Ah oui, demain on va faire Syracuse. Et on a demandé plein d'informations pour savoir les meilleures plages, les meilleurs bars. Parce qu'en fait, l'animateur, le chef animateur est né là-bas. Voilà. Mais je pense que demain, ça va être une sacrée journée quand même. Après, on enchaîne sur une sacrée journée. Jeudi. Ouais. Parce qu'on fait 7h40 du matin jusqu'à minuit à peu près. Et le lendemain matin, on décolle. Donc, on vous racontera ça demain. Non, après-demain. Mais on vous racontera demain mais aussi. Mais demain, de toute façon, demain, il faudrait qu'on rentre vers 19h. Wow. C'est bien 19h. Parce que si on part à 8h30, il a dit, Eduardo, il a dit qu'il fallait à peu près 2h30, 3h. Ouais. Donc, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30. Toi, t'es bonne en maths. Donc, on arrive à... Ouais, pour les chiffres, pour tout ce qui est pognon, je suis très bonne. Tu veux savoir. C'est vrai. 10h30, tu vois, 10h30, on a le temps de faire plein de trucs. Et même si on s'arrête entre-temps, moi, je pense 19h, c'est bien si on rentre vers 19h. Mais en même temps, c'est pas nous qui conduisons, donc on verra bien, hein. Inch'Allah, comme on dit. Enfin, comme on dit, chez moi. Hein? Parce qu'Audrey dit Inch'Allah, mais que quoi Inch'Allah! Yallah! Comment elle va ta soeur? 1, 2, 3, et voilà! Elle va bien? Non, on respecte. Oui. On est fiers. On plaisante, c'est de la plaisanterie. Bah, mais sinon, on a respect, hein. Ouais. Respect. T'as dit qu'on a respect. On a respect. Elle, française, bien parlé la France. Comme... T'as respect. Allez, buona notte. Buona notte. Buona notte. Ciao. Ciao.